Cynthia. Bon après-midi, monsieur. Comment tu vas, ma chère? Je vais bien, monsieur. Angela n'est pas avec toi? Non, elle est au salon. Ok. Bon après-midi, monsieur. Ah, bon après-midi, jeune homme. Bon après-midi, madame. Oh, je t'en prie, toutes mes condoléances. Angela m'a parlé du décès de ta femme. Ok, d'accord. Eh bien, amusez-vous bien, jeunes gens. Agnès, voleuse de mari. Ce n'est pas ce que tu penses, patience. Voleuse de mari. D'ailleurs, tonton est épuisé. Tu... Quoi? Allez, vas-y, lâche-moi. Toi. Allez, dégage. Toi. Dégage d'ici. Patience, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que je pense. Merci, Seigneur, pour une journée pareille. Ah, comment se porte mon fils? Ne t'avise plus de le demander. Patience. Tout cassé. Ainsi, tu as fini par te marier avec cette voleuse de mari, Agnès. Tu as brisé mon cœur. Tu as brisé mon cœur. Tu m'as envoyé au diable. Je ne serai pas les bras croisés. Tu devras me passer sur le corps. Tu devras me passer sur le corps. Patience, mon amour. Que puis-je faire pour me rattraper? Si seulement je pouvais remonter le temps. Que puis-je faire pour me faire pardonner? Je pense que je sais quoi faire. Ah! Papa, que fais-tu éveillé à cette heure? Rien. J'étais juste en train de réfléchir. Tu réfléchis? Et qu'est-ce qui te préoccupe au point où tu n'arrives pas à dormir? Mon fils, j'ai fait tellement d'erreurs dans ma jeunesse que j'aimerais bien réparer. Mais tu n'as pas besoin d'être si dur avec toi. Tout le monde fait des erreurs. Tu dois faire attention à ta tension artérielle. J'ai compris, mon fils. J'ai toujours voulu avoir un fils avec qui parler.
Non, 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 c'est juste le début, je t'ai dit que tu pourras pas te battre. T'as raison, à moi. Non, c'est faux, dis-moi où est ta baguette magique. Elle est où ta baguette? Peut-être c'est pour ça que tu es tombé amoureux de moi. Oh, à toi de jouer maintenant, allez, joue. Mon tour? Attends, je le garde pour moi. Tu sais, parfois je sais pas trop, mais parfois j'ai peur. Ton père pourrait me tuer si jamais il apprenait ce qui se passait entre nous. Non. La fille d'un millionnaire. J'ai une liaison avec elle. Un manchot comme moi. Bébé, mon père n'est pas comme ça. Ok. Si j'ai pu t'accepter tel que tu es, alors lui le fera également. Un manchot? Oui. Ok. Non, 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 non. Je dois gagner cette partie. Non, non. Je dois. Dans ce cas, je ne joue plus. Tu dois finir ce que tu as commencé. Un baiser, Justin. Un de plus. I have watched you climbing mountains and chasing dreams all of the life. You've taken everything, but you'd have to take my world from me. Just say you love me as I am. Say you want me as I am. Say I'm so only your eyes. It's all I wanted to be. Oh, just let me go. I know one day if I'm allowed, if I'm allowed, someday I'll make you proud. Monsieur, qui êtes-vous? Jeune homme, tu ne me connais pas. Mais ta mère, si. Je suis ici pour voir ta mère. Qui est ton jeune homme? Qui es-tu? Hé, hey, patience. Qu'est-ce que tu fais chez moi, tu casses? Patience, regarde-toi. Tu es si belle. Comme tu es belle. Tu as le courage de mettre tes pieds chez moi? Maman, je te demande, qui est-il? Voici le père du maudit. Je ne suis pas maudit. Mon fils non plus. Hey, arrête. Alors c'est toi. Sors. Jeune homme, permets-moi de parler à ta mère, s'il te plaît. Tu sais quoi, Cassie? Ne t'inquiète pas. Je vais faire payer à cet homme toutes les misères qu'il m'a faites. Toi, d'où quoi si? Tu oses poser tes sales pattes dans ma maison? C'est ce que nous allons voir, non? Biko, appelle la police. Je sais que tu as le numéro de téléphone. Tu as le numéro, appelle-les. Patience. Qu'est-ce qui se passe? Patience de quoi? Maman, t'es sérieuse? Est-ce que tu as perdu la tête? Es-tu malade? Quelles sont ces stupides questions que tu me poses? Appelle-les! Maman, ça sonne. Je vais commencer par te faire payer tout ce que tu as eu à me faire dans le passé. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es complètement devenue folle. Gardez les coups, je vous passe ma mère. Allô? Allô, police? S'il vous plaît, il y a un homme dans ma maison qui me poursuit, venez vite! Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, il est là! Oui, c'est un faux là! S'il vous plaît, venez, venez! Venez, s'il vous plaît, venez! S'il vous plaît, venez non, vite. Non, non. Venez nous aider, je vous en prie, c'est un vol. Venez vite, non. S'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît, venez. Oh. Fais pas ça. D'accord, vas-y, joue.
Je vais reprendre ma revanche. Comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Ok, j'arrive tout de suite. Qu'y a-t-il, Angie? C'est mon père. Il est au poste de police. Ton père est au poste de... Qu'est-ce qu'il a fait? Aucune idée, mais il faut que je parte. Attends. Je pense qu'il faut que j'y aille tout de suite. On doit aller avec elle, on peut pas la laisser toute seule. Ouais, allons-y. T'inquiète pas, ma puce. Officier, mon client n'a rien fait à cette femme. Vous devez sûrement faire une erreur. Eh bien, vous direz tout ceci devant le juge. Papa, que se passe-t-il? Qui est-il? Maman? Monachi? Quel est le problème? Que se passe-t-il? Ne pose pas de questions, s'il te plaît. Attends. Osomena. C'est elle, ta mère? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Excuse-moi. Tu veux dire que tu es le fils de Patience? Oui, c'est lui. Ce n'était encore qu'un bébé. Quand tu m'as tourné le dos, tu m'as rejeté pour aller épouser ma meilleure amie Agnès. C'est bien ton fils. Hey! Dieu! Quel est ce genre de punition? La punition de l'enfer. Comme je le regrette. Je te côtoie tous les jours sans même savoir que tu es mon fils et que je suis ton père. Vous? Vous, monsieur Toukouassi? Comment? Ce n'est que le début. Ça n'a même pas encore commencé. Sais-tu ce que tu m'as fait? Tu m'as rejeté bien avant que je ne vienne au monde. Pardonne-moi, mon fils. J'étais jeune, stupide et naïf. Je t'en prie, pardonne-moi. Te pardonner? Ce pardon ramènera-t-il mon fils du Kwado? Ramènera-t-il ma femme? Restituera-t-il mon bras? Osimina, s'il te plaît. Papa t'a cherché partout. Papa t'a cherché. Il ne savait pas où te trouver, s'il te plaît. Angela, tu peux pas comprendre. Dépêche-toi, s'il te plaît. Approche-toi. Je veux voir ce plateau vide à ton retour, d'accord? Vas-y, arrête-le bien. Ce garçon, tu verras ce que je vais te faire. Vilain garçon. Mon fils, je t'en prie, mon fils, pardonne-moi, mon fils, je t'en prie. Mesoma,
Mais ce moine m'a épousé parce qu'elle se sentait responsable de mon accident. Parce que c'est elle qui m'avait conseillé d'aller vendre dans cette zone. C'est pour cette raison qu'elle m'a épousé. Et c'était la seule personne à m'aimer sincèrement. Et même plus que ma mère et mon père biologique. Tu me demandes de te pardonner ? Oh, mon Dieu. Tu dois lui pardonner, c'est ton père. Suimina, mon frère, s'il te plaît, pardonne-lui. Oh non, c'est trop dur, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Non, je t'en supplie. Non, non, je peux pas. Nous prions. Éternel, nous te rendons grâce de nous accorder cette merveilleuse opportunité d'être réunis comme une famille. Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné cet esprit de pardon et d'amour. C'est une très grande famille d'amour. Merci de nous avoir donné à manger. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, mes enfants, c'est la toute première fois que je dîne avec tous mes enfants sur la même table. Je veux dire, je ne cesserai de remercier Dieu pour vous. Aujourd'hui, c'est un jour vraiment très heureux et un jour de joie. Oui. Allez, mangeons. Bon appétit, papa. Alors, ma fille Angela, quand est-ce que tu viendras nous présenter ton ami ? Très bientôt, papa. Tu vas me faire rougir. Ah. C'est vrai, tu sais, tu as déjà l'âge d'aller au mariage. Ma chère. Ouais. Quoi? Cassie lave les voitures? Cassie, mais qu'est-ce que tu fais? Maman, Cassie, tu ne dois pas laver les voitures. Maman, je sais. Hein? Pourquoi est-ce que tu laves les voitures? Réponds-moi, pourquoi est-ce que tu laves les véhicules? Tu ne devrais pas le faire. Gros paresseux. Osez, Mina. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais chez moi avec ces gens? Femme. Tes crimes ont été exposés. Et tu vas les payer un par un. Maman, mais de quoi parle-t-il? Comment le saurais-je? Cette sorcière, cette Jézabel, cette femme antichrist que tu appelles ta mère, a tué mon père, Monsieur Tukwasi, et sa compagne Agnès. Ah, maman, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est juste devenu fou comme sa femme avant qu'elle ne meure. Maman, es-tu capable de meurtre? Tu ne t'en sortiras pas cette fois. Le téléphone d'un des meurtriers a été trouvé dans la scène de crime. En consultant son répertoire, on a découvert que tu étais la dernière personne avec laquelle il a discuté. On a également trouvé un SMS disant qu'il devait faire un boulot propre et net. Maman, hey,
Maman! Qu'espérais-tu, hein? Je devais les faire payer pour ce qu'ils m'ont fait dans le passé. Je devais les tuer, lui et Alien. Non, 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 non. Ils m'ont fait du mal et je devais me venger. Faire maman, je sais ce que m'appeler. Oh non, Koukanesi. Agnès n'était pas mariée à mon père. Elle était une femme avec qui il a eu un enfant, tout comme toi tu l'as fait. Et t'as assassiné un homme qui avait déjà donné sa vie à... Et puis quoi encore? Eh bien, il n'a qu'à aller rejoindre le Christ. Et en plus de cela, que veux-tu que je fasse maintenant? Oui. Osez, Menamwam, mon fils. Tu ne peux pas donner ces preuves à la police. Je ne veux pas aller en prison. Et tu dois me comprendre. Tu as fait trop de mal aux gens. Tu vas payer pour tes crimes. Osemena, tu ne peux pas laisser ta mère aller en prison. S'il te plaît, science en prison. Soudainement, t'es devenue ma mère, hein? Maintenant, tu reconnais cette sorcière comme ma mère, hein? Osemena, s'il te plaît. Eh bien, c'est trop tard. Inspecteur. Officier, faites sortir cette méchante femme d'ici. Non, attendez, madame, attendez. Je suis l'inspecteur Dick. S'il vous plaît, vous êtes attendu au poste. Amenez-la avec vous. Prenez-la. Officier, attendez, non, on peut... Allez, vous vous trompez, il y a sûrement rien quelque part. Maman. Allez. Sors. Plus vite que ça. Je viens avec toi. Qu'est-ce que je... Maman. Allez, on y va. Sors. Oh, méchante femme. Maman, je viens avec toi. Nuis-toi. Tu vas crever. Allez. Sors. Maman. Tu es né maudit. Tu n'es qu'un enfant maudit. Et tu vas demeurer maudit. Patience. Je ne te reconnais pas du tout ainsi. J'étais rongée par la colère. Regarde où ça t'a conduite. Hein? Ça ne présage rien de bon. C'est un meurtre au premier degré. Et tu sais ce que ça signifie. Tu iras tout droit en prison. N'y a-t-il rien d'autre que tu puisses faire pour moi? Non. Tous ces criminels ont été traduits en justice. Et ils ont tous mentionné ton nom. Tous, j'ai dit. Peut-être que tu devrais parler aux femmes de l'EPC, n'est-ce pas? Et à la femme du gouverneur. C'est aussi ma famille. Ce sont mes amis. Personne ne veut être mêlé à ça. Tu sais, les élections approchent. Spécialement le gouverneur. Tu sais qu'il brigue la présidence. Ils ne veulent pas être impliqués. Oh, Seigneur. Je ne veux pas. Je ne veux pas aller en prison. Patience, tu ferais mieux d'y penser. Pensez-y dès à présent. Mais... je veux voir mes enfants. Dis à Cassie d'appeler Cynthia afin qu'elle puisse convaincre Osemena de venir me voir. Patience, je ne le ferai pas. Non, je ne le ferai pas. Vas-y, évente-moi bien. Mais c'est ce que je fais, non? Oh. Si tu me manques encore de respect, tu vas le regretter. Meuf, calme-toi, je vais bien t'évanter. Abuja. Madame. Cette femme dont je t'ai parlé, je veux que tu la brimes. Très, très bien. Regarde-moi. Fais ça bien, je te fais Vous confiance. Vous en faites pas, c'est comme si c'était fait. Je te connais. Fais-moi du bon boulot, hein. Viens là. À genoux. Quoi? Pardon? Tu parles français. À genoux. Obéis, non? Ah, désolé, oh. J'ai l'impression que tu ne sais pas à qui tu as affaire, n'est-ce pas? Je suis la redoutable Abuja. La super maman. Tu sais depuis combien de mois ou d'années est-ce que je suis ici? T'as pitié, madame. Ne me cherche pas, ok? Je te ferai vomir tes intestins dans la bique, maman. Et toi, évente-moi. Après, ça sera ton tour. Ça sera ton tour. Ça ne va pas là, dépêche. Non, Bic, maman, du calme, non, du calme. Tu la boucles quand je parle. Allez, dépêche. Le bar, j'ai très chaud. Osomena, s'il te plaît, va voir ta mère. Dans moins de 10 jours, elle sera traduite en justice pour meurtre.
et tous les deux savons ce que ça signifie. S'il te plaît, donne-lui l'occasion de se racheter. Et je vous ai dit que je vais plus jamais poser mes yeux sur cette femme. Bébé, s'il te plaît, je sais que tu es profondément blessé, mais tout ce que tu peux faire de suite, c'est de lui pardonner et tourner la page. Cynthia, c'est pas là le débat, ok? Chère madame. S'il te plaît, fais-le, s'il te plaît. Dites à ma mère d'aller en enfer. Hey. Vieille sorcière. Sorcière. Ce n'est pas ton nom. Je ne m'appelle pas sorcière. Ça ne va pas. T'es folle. Comme ça, tu veux m'apprendre comment t'appeler? Qu'est-ce qui te prend? Bref. Je veux dormir. Ok. Tu peux dormir. Hein? Es-tu aveugle? Tu ne peux pas voir? Tu ne vois pas que j'ai besoin d'un oreiller? Je t'aurais bien donné mon oreiller, mais il est à la maison. T'en fais pas, tu es un bon oreiller. Allonge-toi pour que je dorme. Hein? Quoi? Tu continues à prononcer les gros mots depuis que t'es entré ici, que je me répète, t'es malade. Non, non, du calme, du calme. Couche-toi, chez sommeil. Meuf, donne-lui une leçon. À vos ordres, chef. Exécution. Allez, madame. Allez, couche-toi. Couche-toi. Obéis. Oya, allonge-toi. Madame, allonge-toi, obéis. Ton chef a besoin d'un oreiller. Dépêche. Je me couche, les enfants. Je me couche. Je me couche. Contente, bosse. Ça te convient? Et toi? Ouais, c'est ça. Respecter la maman. Là, ça ne va pas. Ma tête, s'il te plaît, ma fille. Le respect. La maman mérite le respect. Respect. La maman mérite le respect. S'il vous plaît. Allez, j'ai son droit sorcier. Ah, Cassie. Hé, Cassie, allons-y. Maître Ennis a dit que maman a demandé qu'on ait la voix au poste de police. Ah, tout de suite. Ok, avance, tu rejoins. Ah, mais allons-y, non? T'es pas sérieuse là, tu veux que j'aille voir maman? Non mais, qu'est-ce que tu racontes? C'est notre mère, notre mère. Si nous l'abandonnons maintenant, ça ne changera pas la situation. Une femme que je n'imaginais pas être capable de meurtre. Calme-toi, calme-toi, viens allons-y. S'il te plaît, j'ai besoin de reparler, ne me dérange pas. Cassie, ok, donne-moi les clés de la voiture. Et quelle clé de voiture hein? Ce n'est pas de ta faute. T'as qu'à prendre une moto, un taxi, moi je m'en fiche. Quoi? Ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ta faute. Viens fermer le portail, oh! Vieille sorcière! Vieille sorcière! Viens chercher ton repas. Où est cette femme? Oui, viens ici. Ça ne va pas. T'as perdu en boulot. Demi-tour. Et toi, va chercher ce repas. À vos ordres, chef. Merci. 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 Où est-elle? C'est ta fille qui te l'a apportée, d'accord? Ce n'est pas assez pimenté comme j'aime. Ma maman, la nourriture là, elle est bonne. J'espère que tu vas garder ma part. Ah, ferme-la. La maman, je te fais confiance. Tu vas tout bouffer. C'est moi, Abuja, non? Abuja. Abuja. Abuja.
Abu Jabiko, donne-moi juste ton morceau. Tu mangeras ta part demain. Comment pouvez-vous la traiter ainsi? Ça, c'est la loi de la jungle. Mais comment est-ce que vous pouvez les laisser traiter ma cliente de la sorte? Et vous voulez me faire croire que la police... Hé, madame, s'il vous plaît! Allez raconter la Bible ailleurs! Quand vous vous adressez à nous, baissez d'un ton, d'accord? Évitez de m'énerver car je risque de vous foutre en cellule. Où vous croyez-vous? Pardon? C'est à moi que tu t'adresses? Regarde-toi. Tu ne connais même pas la différence entre la Bible et la loi. Quoi? Je m'en vais rencontrer le commissaire. Madame le commissaire n'est pas là-haut. Il est actuellement en déplacement. Cette détenue ne doit pas rester dans cette cellule. Et je vous avertis, je vous l'exige de faire transférer ma cliente dans une cellule privée avant qu'elle ne tombe malade. Car elle ne pourra se présenter en justice dans cet état. Sinon... Où vous croyez, vous sortez d'ici tout de suite, allez crier ailleurs. Vous allez le voir. Quelle est cette espèce d'avocate? Elle se permet de crier ici, cara, n'importe comment. Laisse-la, ne la gère pas. C'est comme ça qu'ils sont. Qu'elle aille au diable. Laisse-la, elle n'a qu'à revenir avec son fils. Faut-tu consulter le dossier? Oui. Oui. Je suis triste. Je suis fatiguée. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait tout ceci à mon fils, Osamana. Mes enfants, n'ont même pas daigné venir me voir une seule fois. Ils sont en colère et déçus. Très en colère. Qu'en est-il, Legacy? Très remonté. Ils viendront te voir, y compris Osemina. Cynthia et moi faisons de notre mieux pour le convaincre. Osemina, mon enfant. Je ne peux pas, ce enfant que j'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois. Pourquoi? Comment ai-je pu faire tout ceci? Je n'arrive toujours pas à y croire. Je suis heureuse que tu reconnaisses tes erreurs. Et j'ai exigé à ces officiers de te mettre dans une cellule privée, où personne ne viendra t'embêter. Je t'ai apporté des vêtements, de rechange. Merci beaucoup, Onis. Je t'en prie. Tiens, les voilà. C'est ta taille. Tu pourras les garder avec toi. Ça te sera utile. S'il vous plaît, ce sont des vêtements pour elle. Ok, madame. Merci. S'il te plaît, Eunice. Mes enfants, peux-tu leur demander de venir me voir? Je vais essayer. Et spécialement au séminaire. Je vais essayer. Ils viendront te voir. Ils viendront te voir. C'est compris. Ils le feront. Madame, avancez. Allons-y. Allez-y doucement. Allons-y. Anis, n'oublie pas. Je le ferai. Oncle Edwin, pourquoi tu m'as fait venir ici? Oui, oncle. Pourquoi l'as-tu fait venir dans ma maison? Ferme ta grosse gueule. Cette maison appartient à maman. Et en tant que son premier fils, cette maison, elle m'appartient. T'es vraiment un moins de rien. Tu vas la fermer. C'est à moi que tu t'adresses? Encore un seul mot au cassier. Je te crève les yeux avec ça. Mon ami, tu ne vas rien faire. Je ne vais rien te faire. Tu vas faire. Calmez-vous. Taisez-vous. Hein? Tous les deux, vous devez apprendre à vous contrôler. Même si ta mère a été la raison pour laquelle le crime a été commis. Même si ta mère était le seul monstre sur la terre. Tous les deux, vous devez aller la voir avant que la sentence ne soit prononcée. Je devrais me passer sur le corps. Jamais je n'irai voir cette femme. Ne pose pas du tout un acte que tu pourras regretter. Je ne vais jamais le regretter, tonton. Je ne vais pas aller voir cette femme. Grand frère, s'il te plaît. S'il te plaît. Allons la voir. Elle reste notre mère. Elle a cessé d'être ma mère il y a longtemps. Je ne vais pas aller la voir. Bébé, s'il te plaît. C'est bon, ne m'énerve pas. Osemina. Cette femme a été horrible. Mais elle reste toujours ta mère et ma sœur. Je n'irai pas la voir. Elle est le pilier de cette famille et vous devez la soutenir. Je n'irai pas la voir. Osemina, tu iras la voir. Et mon oncle, je n'irai pas la voir. Tu ne vas pas me forcer. Je n'irai pas la voir. Écoutez, moi non plus, je n'irai pas la voir. Tu le feras. Pardon? Tu le feras. Je n'irai nulle part. S'il te plaît. Non, mais c'est quoi tout ça?
Mon amour, Pico. Je t'en prie, évite de m'énerver, s'il te plaît. Allez. Maman. Merci d'être venue au Semana. Au Semana, comment tu vas? Maman, on ne pouvait pas imaginer que tu es capable de me... Tu nous as détruits. Tu as sali la réputation de notre famille. Pourquoi? S'il vous plaît. S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'étais rongée par la colère. J'étais très en colère. Je croyais que Tchoukassi était marié à Agnès. Je ne savais pas. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Oh, Zemena. S'il te plaît, pardonne-moi. Cherche une place au fond de ton cœur pour me pardonner. S'il te plaît. Je n'ai pas été une bonne mère. Je ne mérite pas que tu m'appelles mère parce que je n'ai pas été une bonne mère pour toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis vraiment désolée pour toi. Si tu veux, je peux me faire crucifier. Juste pour te montrer que je suis désolée. Je le suis. Je le ferai pour toi. Maman. Je te pardonne. Je suis vraiment désolée. Cela pourra-t-il ramener ma femme à la vie? Est-ce que ça pourra ramener Tukwado? Cela pourrait-il ressusciter Mesoma? Jamais je ne te pardonnerai de toute ma vie. Bébé, non, ton oh, grand frère. Oh, c'est bien mon enfant. Reviens. Reste ta mère. Et de ce point de vue, tu n'as pas d'autre choix que de lui pardonner, s'il te plaît. S'il te plaît. J'étais en colère contre toi car notre père est mort par ta faute. Et que tu n'aies jamais voulu te faire du mal. J'ai toujours secrètement admiré combien tu pouvais être fort. Tu peux me croire. Je t'ai toujours admiré. Écoute, c'est notre mère. S'il te plaît, écoute-moi. Je t'en prie. Pardonne-lui. Et pardonne-nous. Parce que... Grand frère, s'il te plaît. S'il te plaît, grand frère, je t'en prie. Pardonne-nous, s'il te plaît. Bébé, si tu ne le fais pas pour moi... Au moins, fais-le pour l'amour de notre enfant. Tu... T'es enceinte? Je voulais te le dire, mais tout ceci est arrivé. T'es vraiment enceinte? Oui. Dans ce cas, allons-y, merci. Maman. My mother, my pain. My mother, my tears. Oh, oh. Tout ce que je voulais de toi, maman, c'était un peu d'amour. Juste un peu d'amour venant de toi. Était-ce trop demandé? Je t'ai pas demandé de me faire venir au monde. Tu es ma mère.
tu n'aurais pas souffert si tu n'avais pas fait de mauvais choix, maman. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal pour mériter un niveau de méchanceté pareil? Tu as fait de moi un gardien dans la propre maison de ma mère. Tu as laissé mon fils mourir sans aucun remords, maman. Pourquoi? Pourquoi? J'ai perdu un bras en travaillant afin qu'on ait à manger. Et jamais ça ne t'a touché. Tu as continué avec ta méchanceté. Tu m'as détruit. Tu m'as réduit à rien. Aujourd'hui, tu veux que je te pardonne. Même si je devais changer d'avis, mais pas maintenant. Réconciliez-vous. S'il te plaît, pardonne-lui. Comment pourrais-je? Cette femme m'a tué. Elle m'a réduit à rien. Elle m'a réduit en sans-abri. S'il te plaît, pardonne-lui. Dépêche-toi, s'il te plaît, dépêche-toi. Allez, approche, approche. Je veux voir ce plateau vide. Je veux voir ce plateau vide à ton retour. Vas-y. Pico, arrête-le bien. Cet enfant maudit, espèce de feignant, vilain garçon. Dis-moi là. Allons, viens. Écoute très bien. Et pour ton information, faites-moi sortir cette bêtise de ma maison. Oh, Bobo Chou et Nuon, vous n'avez encore rien vu. Laissez-moi aller me reposer. Je n'arrive pas à croire que c'est moi qui ai commis toutes ces atrocités à mon propre enfant. Comment est-ce que j'ai pu laisser la colère m'envahir de la sorte? Je suis une meurtrière. À quoi me sert-il un col de fièvre? Jai! Patience. Patience. Hey. Osez maintenant mon enfant. Osez maintenant mon enfant, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Mes enfants Piccolo, je m'en fais. Pardonnez-moi. Je ne mérite pas de continuer de vivre. Je ne mérite pas de vivre. Non. Oh.
Cette femme n'entendait pas. Hé, madame, approchez. Hé. Maître, qu'y a-t-il? Ta mère est morte. Elle s'est suicidée. Quoi? Non. Elle est morte. Où est-elle? Dans sa cellule. Poussez-vous. Regardez, elle est morte. Je l'ai trouvée comme ça. Elle s'est pendue. J'imagine qu'elle n'a pas pu supporter l'idée de rester en prison. Et elle était censée comparaître en justice aujourd'hui. Je sais. Patience, comment as-tu pu faire cela à tes enfants? Tu vois ton œuvre? T'es satisfait? Si tu lui avais pardonné, elle ne se serait pas suicidée. S'il vous plaît, monsieur, vous bloquez le passage. Cassie, arrête tout de suite. Penses-tu que c'était facile après ce que votre mère lui a fait traverser? Ça va, ma chérie. Je vais chercher une ambulance pour récupérer son corps. Elle ne pourra pas être enterrée normalement, car elle s'est donné la mort. Oui, mais n'est-il pas très tôt pour en discuter? Ma mère sera enterrée avec le plus grand honneur qui soit. Et toi, Ozemena, je ne veux pas te voir près du corps de ma mère. Sinon, je ne répondrai pas de mes actes. Calme-toi. La ferme. Bêtise. Ozemena a raison. Ça va aller. Allons-y. Ça va aller, Cassie. Arrête. Ça va aller. Ça va aller. Cesse de pleurer. Hein? Ça va aller. Allons-y. Ça va aller. Mes enfants, je vous ai convoqués tous les deux ici. Cause de la situation qui prévoit. Ndebaïsina, Madukodo, Adiazi et Mono. Votre mère a commis une abomination. Par conséquent, elle doit être enterrée dans la forêt d'Indiens. Et c'est pour ça que je vous ai appelés tous les deux ici. Savoir ce qu'il a lieu de faire, comment on doit s'y prendre. Oncle, tu nous as appelés afin que nous discutions à propos des obsèques de ma mère. Dans la forêt d'Indiens, ma mère était une femme de la haute société. Oncle, ma mère, elle sera enterrée. Je me fiche de ce que la tradition dit. Ma mère, elle sera enterrée en grande pompe et toutes les honneurs. Là, j'étais dans la forêt des ninjas. Non, mais vous êtes sérieux? Mais c'est quoi ça? Quelle est la raison exacte pour laquelle on est ici, tonton? Parce que je comprends pas. On n'est pas là pour discuter de ce que la tradition dit, car tout le monde le sait déjà, on le sait tous. Toute personne qui saute la vie ne peut pas être enterrée dans la concession. Alors pourquoi c'est un problème? Suivons juste la tradition comme il se doit et nous n'attirerons pas des problèmes inutiles sur nous. S'il vous plaît. Je suis désolé. Je suis désolé de partir sans vouloir te manquer de respect. Parce que j'ai quelqu'un d'important à rencontrer. Andy, laisse-moi te montrer quelque chose. Regarde ça. Je ne t'entends pas très bien. Tu ne peux pas aller à l'encontre de la tradition, on n'aura pas des obsèques ordinaires. Écoute-moi, Cassier. C'est soit nous arrêtons la cérémonie des obsèques après que son corps soit jeté, peu importe où, jeté dans la forêt maléfique, où il n'y aura rien du tout.
Mm-hmm. On ne peut pas aller à l'encontre de la tradition, c'est ce que je veux dire. Ah, tu veux faire ça à l'ordinaire? Dans ce cas, je dirais... Il n'y aura pas de cérémonie, alors. J'ai plus rien à dire si tu t'entêtes. Oh, tu me défies? Vas-y. C'était à ton demi-frère au téléphone. Ils payeront tous ce qu'ils ont fait à ma famille. Oui, ils vont payer. Ils n'ont pas écouté mes conseils. J'ai dit à ton frère que c'était la tradition, mais il ne m'a pas écouté. Ok, regarde ce qui est arrivé à présent. Les jeunes de Nouma qui sont venus et se dispersés partout. Ils ont tout cassé, même les canapés que nous avons loués. Regarde, n'es-tu pas présent? N'es-tu pas présent? Peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé là-bas? Ils ont foutu le bordel partout. Tonton. Ne t'avais-je pas prévenu que c'était tabou? Tonton. Mais tu n'en as fait qu'à ta tête. Regarde ce que tu as causé. Regarde ce que tu as causé. Comment allons-nous régler ce problème? Ok. Alors, où est le corps de maman? Quand on revenait de la morgue, certains villageois nous ont attaqués. Ils ont pris le corps de maman, disant que c'est Osemena qui les a envoyés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Je combattrai Osemena avec toutes les relations que j'ai. Comptez sur moi. Il le faut. Ils sont là. Ils sont là. Viens ici. Et allez, flèche. Allez. C'est l'enterrement de ma mère. Mon frère. Mon frère. Amenez-vous. Elle est baissée la face. Tu veux prendre une balle? La personne qui bouge, je bute. Allez, on y va. Ferme la main. Allons-y. Hé, retournez, allez, retournez. Allez-y. Retournez. Retourne, Mouna. Retourne. J'arrive, une minute. J'ai entendu, j'arrive. Ha. Où est ton frère? Ah ah. J'ai dit où c'est maintenant? Idiot, c'est quoi cette question? Dehors, nous tiens. Si tu me pousses, allez, je vais m'arrêter. Allez, dégage mon chemin. Osez maintenant. Viens par ici. Comme ça, arracher le corps d'une autre mère n'était pas suffisant pour toi? T'as kidnappé Chukwu ton poids pour faire des sangs? De quoi tu parles là? Où est Tochukwu? Tochukwu a été kidnappé aujourd'hui. Mon fils parle des inconnus. Alors on a pensé que c'était toi. Tochukwu a été kidnappé comment? Comment pourrais-je faire ça, mon propre frère? Il est où? Ça ne me surprend pas, il a eu ce qu'il méritait, donc ça ne m'étonne pas. Oui. Val, tu as juré de finir avec mes frères pour ce que ma mère a fait à ta famille. T'es sûr que t'as pas la main derrière tout ça? Val! Bébé, s'il te plaît, calme-toi. Ne me demande pas de nous calmer quand on ne sait même pas où se trouve mon petit frère. Qui a bien pu le kidnapper? Pourquoi ce pauvre Tochukwu? Je suspecte Juliana, Val et cette Angela. Non, mon Ati, ne soupçonne personne pour le moment. La vie de Tochukwu est en danger et nous devons le retrouver avant qu'il ne se fasse tuer. Cette femme, je veux savoir qui peut bien s'en prendre. Allô, qui est-ce? Est-ce que c'est bien Monsieur Osemena Ndoukwe? Oui, qui êtes-vous? Nous avons votre fait, Tochukwu. Quoi? Vous avez qui? Qui êtes-vous? Où est-il? Et où êtes-vous? Ça s'annonce bien. Pour tout vous dire, ce n'est pas important. Tout ce qu'on veut. Nous avons besoin de 150 millions et demi d'ailleurs, venant de vous et de Cassie. Vous devez les avoir d'ici les 48 prochaines heures. Écoutez, monsieur, passez ce délai. Vous vous amorderez les doigts.
Non, ne parlez pas comme ça, écoutez. On n'a pas cette somme, où voulez-vous qu'on trouve une pareille somme d'argent? On n'a pas les moyens, s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ce n'est pas négociable. Le plus tôt serait le mieux. Alors, écoutez-moi, ne lui faites pas de mal. Passez-lui le téléphone, s'il vous plaît. Ne lui faites pas de mal. Hé, hey, écoute-moi, fils de pute. Si quelque chose de mal arrive à mon frère, voilà, je te jure que je te retrouverai, mec. Et je te tuerai. Tu vas arrêter de te... Je vais te tuer. N'importe quoi. Allô? 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 Écoutez, écoutez, monsieur. Oh. 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 150 millions et des mille, Naira. Mais où allons-nous trouver une telle somme? Non, je sais pas. Hé! Hey, mais qu'est-ce que nous allons faire? Pourquoi lui? Pourquoi l'enlever? Où est ta mère? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est où, ta mère? Ma mère? Ah. Oh! Oh, Zemina! Es-tu mêlée à ça? De quoi est-ce que tu parles? Je te jure, si quoi que ce soit arrive à mon petit frère, si quelque chose arrive à Tōtoku... Quoi? Ta mère a tué mon mari. Et je n'ai rien dit. Aujourd'hui, tu m'accuses d'avoir kidnappé ton frère. Pourquoi ferais-je cela à un handicapé? Tu vas m'écouter maintenant. Je vous suspecte, toi, Angela et Val. Si quoi que ce soit arrive à mon petit frère, si quelque chose de mal lui arrive... Que vas-tu faire? Quoi? Kinyama? Vous paierez tous pour ce que votre mère a fait à ma famille. D'accord. N'importe quoi. Oh, Zemina, tu n'aurais pas dû confronter... la mère d'Angela. La moindre erreur de notre part pourrait mettre la vie d'Otochuku en danger. Les gars, ne pensez-vous pas que le mieux serait d'impliquer la police? Non, pas maintenant. On le fera, mais pas maintenant. Pas maintenant. Comment ça, pas maintenant? Tu peux pas dire pas maintenant. C'est une question de temps. Vous pensez que c'est un jeu, n'est-ce pas? Vous pensez que je bluffe? Je vous donne un jour de plus. Un jour de plus. Non, monsieur, écoutez, nous ne disposons pas de la somme que vous demandez, hein? Un jour de plus, 24 heures. Sinon, votre frère... D'accord, nous pouvons disposer de 20 millions, mais pas de 150 millions. On ne peut pas avoir cette somme. Oh mon Dieu. Quoi? Vous ferez mieux de ne pas impliquer la police dans cette affaire. Écoutez... Allô? 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 Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il maintient son prix. Quoi? Même les 20 millions dont tu es en train de parler, je n'en ai pas les moyens. Je ne dispose pas d'une telle somme dans mon compte actuellement. Oh. Que faisons-nous à présent? Le pire dans tout ça, c'est que Tōtoku ne peut pas se défendre. Il ne peut rien faire seul. Ah! Que peuvent-tu bien attendre de lui? Hein? Bébé, rentrons à l'intérieur, s'il te plaît, hein? Non. Je n'entre pas tant que j'ai pas des nouvelles de mon frère. Ils ont dit qu'ils nous donnaient 2 jours pour payer la rançon. Aujourd'hui, c'est le 2e jour et la nuit est déjà tombée. J'espère simplement qu'ils n'ont pas encore tué Tōtoku. Essaye de te calmer, d'accord? Kasi sera bientôt de retour, espérant qu'il réunisse cette somme d'argent. Oh, attends, j'y vais.
Dépêche-toi de l'ouvrir. Bébé, regarde. Vous avez pensé que c'était une blague. Vous m'avez sous-estimé. Dans cette enveloppe, il y a une vidéo qui montre comment votre frère a été tué. Non. Ils ont tué Tochuku. Oh, Seigneur. Oh, mon Dieu. Ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Ils ont tué Tochuku. Oh. Juste comme ça. Oh, mon Dieu, non, non, pas lui, non. Alors, ils ont envoyé un CD contenant un enregistrement vidéo, montrant comment ils ont tué Tochuku. Vas-y, et qu'on la regarde. Vas-y, non, mets-la. Écoute, non, je ne peux pas la regarder. S'il te plaît. Tu peux la mettre, Cynthia. Grand frère Osamina, Cassie, Munachi, ma sœur bien-aimée, je vous aime tous. Dans ma prochaine vie, vous serez toujours mes frères. Grand frère Osamina, je te pardonne d'avoir été la cause de ma paralysie. Et j'aimerais également que tu pardonnes Cassie et Munachi. Et aussi Mama, s'il te plaît. Peu importe ce qu'ils t'ont fait, s'il te plaît, pardonne-leur. Tout ce que je voulais, c'est une famille unie. Je vous aime tous. Hé, hey, ta prière est trop longue. Vas-y et demandez à tes ancêtres. Tu mourras aujourd'hui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Non. S'il vous plaît. Isokyobi. Mikono. 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 S'il vous plaît. Miko. Mikono. Mikono. S'il vous plaît. Non, c'est pas vrai, ils l'ont tué. Ils l'ont tué, Osemena. Ils l'ont tué. Oh, mon frère bien-aimé, mon frère. Osemena, je suis désolé. Je suis désolé, Osemena. Grand frère, s'il te plaît. Je suis désolé, Osemena. Je ne méritais pas toute cette méchanceté. Mon frère, Osemena. Osemena, je suis désolé. Pour l'amour de Dieu, pardonne-nous, s'il te plaît. Grand frère, s'il te plaît. Grand frère, pardonne-nous, s'il te plaît, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée, Osemena. Je suis vraiment bon. Pardonne-nous, mon frère. S'il pardonne-nous. S'il te plaît. Je suis désolé, mon frère. Je t'en supplie, pardonne-nous. Je vous pardonne. S'il te plaît. Ha 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 ha
Ne vous pas, mes frères. Tortuco. Oui. T'es en vie? Oui, je suis vivant. Nous avons fait cette mise en scène pour que vous vous réconciliez enfin. Quand tous les deux m'avez appelé pour les obsèques de maman, j'ai compris que si rien n'était fait, vous pourriez vous entretuer. Alors j'ai dû faire cette mise en scène afin de vous réconcilier. Comment? C'est très simple. C'est un peu trop fort là. Tu sais ce que tu as fait, hein? Désolé grand frère, je voulais juste que nous ne fassions qu'un. Tortuco. Non. Quel ouf, Tortuco. T'es en vie. Tortuco. Non. Réconciliez-vous tous les deux. Mais j'ai envie de le faire. Je n'ai rien vu. Embrassez-vous. Tu as envie? Ouais. Au poilet! Tu m'as manqué. Ne nous fais plus jamais ça. J'avais tellement peur. Dieu merci. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous informer tous que mon client Chukwasi a été payé 450 millions de naira, provenant des placements qu'il a effectués avant son décès dans une banque de Kaduna. Moi, Monsieur Chukwasi, Marc Ougoukwe, par le présent testament, j'ai 450 millions de naira dans mon compte bancaire de Zeni. 200 millions de naira iront à mon premier fils Osemina et mes immeubles situés au numéro 2 rue Okita dans l'état d'Onitsha. 100 millions iront également à mon deuxième fils, Valentin, et mes cités universitaires situées à la rue numéro 7 au Dogwa Okali. 100 millions de naira iront également à mon adorable fille et amie, Angela Chineye. Et mes plazas situés au numéro 3 Ikwere Road au Kwaka. Les millions restants seront partagés équitablement entre les trois femmes de ma vie, Patience, Agnès et Juliana. La maison dans laquelle je vis actuellement sera également remise à mon premier fils, Osemina. Que la paix soit avec vous. Merci, maître. Merci. Frangin, à présent tu es un bourgeois, toi. Il l'a mérité. Cassier! Grand frère, tu ne m'as pas encore dit pourquoi tu nous as fait venir ici. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je vous ai fait venir ici. Peut-être que je veux que vous partagiez notre bonheur. Nous avons traversé des moments difficiles dernièrement, et je veux que vous vous joigniez à nous pour célébrer ce que je m'apprête à faire. En tant que famille, j'aimerais que vous soyez tous témoins de la demande que je vais faire à Cynthia, mon bébé. Épouse-moi. Mais où va-t-il? Allez, Cassier, reviens. Cassier. Attends, dis-moi, que veux-tu, Osemina? Hein? Osemina, tu m'as invité pour me narguer, c'est ça? Donc tu penses que parce qu'aujourd'hui t'es plus aux as, tu peux prendre ma femme? Non, prends pas les choses de cette façon, mon frère. Alors quoi? Cassier, pourquoi n'es-tu pas heureux pour ton frère, Osemina? Si tu n'y arrives pas, alors tu es exactement comme ta mère, et je sais que tu n'es pas comme ça. Peux-tu laisser ma mère hors de ça? Allez, Cassier. Tu as eu d'autres copines avant moi, et tu auras d'autres copines après moi. Sois juste heureux pour nous deux. S'il te plaît, ça nous ferait plaisir. Cassier, s'il te plaît. Cassier. S'il te plaît.
Qu'est-ce que s'il te plaît? Osemina. Écoute, tu m'as vu les meilleurs. Félicitations, Frangin. Waouh! Félicitations, ma fille. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.